الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبعد الحمد لله نكونتيني أبيك connaissance qu'Ibn Taymiyyah rahmahullah qui nous a tassé avec nous. Ibn Taymiyyah rahmahullah dit « وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسى التميذي في جامعي. » Le premier qui connut qu'il fin divise hadith en trois catégories, صحيح, حسن et ضعيف, c'est Abu Isa التميذي et dans son livre الجامع. Ibn Taymiyyah rahmahullah dit « كان في عرف أحمد ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين صحيح وضعيف. والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى حسن. إذا كتم بياسي كي كوني أبغي إمام أحمد إبن علماء عبالي الحديث جميل عن دي كاتيغوري صحيح وضعيف. ضعيف دابو بنا تيكس عن دي كاتيغوري ضعيف كي أباندوني Il faisait ma parole comme brève et des j'aime Hassan. Donc, ça c'est comment ben, on a ma part permission Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais des efforts pour protéger hadith, pour préserver hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comment nous comprenons bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'in causé, l'in enseigné. Tout ce que les prophètes viennent enseigner, c'est la vérité. Et ça, l'enseignement-là, il est préservé, bien à doute, parce qu'un djibout pas pour qu'il pratique l'islam sans qu'il les mette en pratique, ça, l'islam-là. Comment les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, les viennent mettre ça en pratique? Ensuite, après la mort de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, finena. C'est un djibout qui n'est pas erré. Je n'ai dit qu'une chose, les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai insulté, je n'ai retiré, pas erré, pas oubli, ou bien dans une confusion. Et finalement aussi, une certaine catégorie qu'ils ont fait, pas exprès, une cause mentile au Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le devoir de chaque musulman, pour qui, quand il peut suivre l'islam, il voulait suivre le hadith Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il garantit qu'il peut suivre, il peut mettre en pratique ce qui est authentique. Ce qui est authentique. Et je vais vous expliquer qu'il fait en fin, il a aussi ce qu'il appelle erreur de hadith ou bien mensonge qui finit à attribuer à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait ça? Ça c'est Allah Rabbou l'Alam fin décrète-li dans sa façon là pour faire test avec insan qui un démon les poursuivre. Est-ce qu'il poursuivre ce qui est authentique ou bien les poursuivre ce qui n'est pas authentique, ce qui est faible, ce qui est mensonge, juste pour justifier sa position. Alors, un musulman, il vient suivre ce qui est authentique. Alors, authentique là, c'est qui était. Le Banu Lama, il y a un critère d'un hadith authentique. Celui qui peut rapporter ça, le misère qui les dit de confiance. Les dit de confiance. Et les autres, il y a un critère. كي بن علماء في أبانشون سادة دا مستر الحديث منا أستنى نجم كتسوس كابل أن حديث دا سلوك تنتيسيتي مم إلى دي دقري أن كي أبل لي صحي أني حسن أني حسن مجا إنا أنت في مليس لادا بس المان في مليس كي لنا بات سانز ناني دا لتنسيتي سا حديث لابا إكزام أن جمون كي nous connaît les sérieux, les dandies, les causes vraies, sur l'intelligence fausse, sur la mémorisation fausse, les minis les diano en quelque chose d'une telle façon. Nous croyons, ok? Nous croyons. Et ils ont déjà sali authentique. Fait comment dire, là dans sa classe, là, nous sommes là, quand ils disent tout correct, alhamdulillah, mais côté l'intelligence, c'est tout faible. Entraler, quoi, n'est-ce pas? Faire confusion. Faire confusion. Quand les soins sont finis,
deux vaisseaux, je vais séparer un gémon d'une zone avec un petit d'alisson à ce terrain-là. Il y a qu'une cause d'alisson. Et qui d'alisson, j'ai une cause telle affaire. Elle a dit, capable une cause, ça, capable pas une cause, parce qu'il va faire des confusions. Ils ont un deuxième gémon, pareil, faire confusion. Qu'une cause d'alisson, une cause telle affaire, même affaire. Ils ont un troisième gémon, qu'une cause d'alisson. Et une cause telle affaire, même affaire. Ça dit, mon, là, comment il gagne cette information-là? Est-ce qu'il gagne ça à travers un démon qui saute même opération faux? Ou bien il gagne ça à travers un démon qui saute même opération pas trop faux? Il gagne ça à travers un démon qui saute même opération pas trop faux. Mais seulement, est-ce qu'il peut douter dans sa parole là où il dit non, obligatoirement il dit comme ça? Qui vous fait là? Et vous doutez? Non, il ne peut pas douter qui veut. Hein? Même qui se dégré de l'authenticité pas. Vous voyez pas ça, il Hassan, nous pouvons avoir d'autres là-dedans. Nous pouvons avoir d'autres parce qu'il quitte ce sens-là. Il n'est pas possible qu'on va dire que les gens peuvent même errer. Alors, c'est ça qu'appelle Hassan. Alors, quand vous êtes, je ne suis pas capable de diviser les hadiths en deux catégories. Ce qui est authentique, ce qui n'est pas authentique. Soit nous dire, ce qui est authentique là, il comprend Hassan, Sahih et Hassan. Comprend, Sahih et Hassan, ce qui fait, les comprend, mais tout catégorie fait voir là-dedans. Et il m'a dit, Rahmanallah, il y a une deuxième petite chose qui, quand nous vous êtes dedans, il m'a Ahmad, ce qu'il cause, ce qu'il m'explique, ce qui nous déduit de Imam Ahmad, que hadith, quand nous dit hadith authentique, c'est Sahih. Hadith faible, c'est, et il y a aussi hadith Hassan là. Hadith Hassan, est-ce que la faiblesse de Hadith là, ça dit qu'il rapporte sa Hadith là, il y a une faiblesse là-dedans? Oui, confusion, mémorisation fait, mais est-ce que Hadith là dans les liens n'est pas acceptable ou bien? N'est pas acceptable. Alors là, quand le Hadith authentique, c'est authentique, Hadith faible, il y a ce qui est Hassan et il y a ce qui est pour rejeter. C'est-à-dire, ça c'est rire, ça c'est les capables mordus, ou bien les mentir là-dedans, ou bien. Les mounkars, les contredits, le. Il y en a quatre différents types de hadith qui rejetaient. Quand on comprend ça, il y a quelque chose que nous comprenons facilement. C'est, il y a dit, d'après Imam Ahmad, ou bien d'après Imam, tel Imam, il y a un droit de servir hadith, fait de Fazaïli Amal. Quel droit servi hadith faible de face à l'Amal. Alors ça, il y a une explication, nous déjà expliquons là. Mais même quand on dit hadith faible de face à l'Amal, il y a aucun alim qui nous dit mettre en pratique une petite chose basant le hadith faible. Qui nous dit sa vertu de sa action, qui sa action là, déjà il y a une source dans le hadith authentique, mais nous allons l'espacer. Ça aide. Explication. Deuxième explication, c'est que quand Imam Ahmed peut dire qu'il est capable d'espacer le hadith faible, ce hadith faible là, il fait référence à qui? Hein? Hadith Hassan. Il fait référence à Hadith Hassan. Mais tiens, bah, Imam Ahmed peut dire ok, hadith faible, il a, nous allons espacer, c'est un hadith faible, dans un chapitre. Il ne peut pas dire hadith faible qui a menti, il ne peut pas dire hadith faible qui a rejeté, il peut dire hadith faible qui se narrate à la faiblesse, mais seulement quand il n'a pas sahih, il est dans la catégorie Hassan. Finalement, hadith Hassan est authentique, nous accepter. Donc, ça c'est une explication. Alors, il y a pourtant quelque chose pareil, il vient nous réaliser. Qui en vérité, nous avons ulama, il fait beaucoup d'efforts pour préserver le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est, il n'a pas pris le hadith avec mon garçon, il n'a pas pris le hadith avec mon frère, il n'a pas pris le hadith avec mon papa, ça n'a pas pris le hadith dans tout ça. Qui fait? Parce que je comprends que le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas un droit patiné dans ça, quelque chose. Mais...